puissance des touches. La puissance des touches. La puissance des touches. Ta fille est vie avec un dragon. Je plus ton pouvoir. Je plus ton pouvoir. Je plus ton pouvoir. Elle t'a déjà parlé? Non. Hmm? Je n'ai pas encore. Elle est sorcière. Elle est dans la sorcellerie. Come on! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mamie, oui. Tu es sorcière, donc qui dans le rang? Qui dans le rang? Qui dans le rang? Qui dans le rang? Tiens-moi, tu veux parler. C'est que je te montrer tout de suite. Tu veux parler? Savez moi, vous voulez discuter? Je vous ai quitter dans le rang. Mais si même ma main, si toi, tu vas mourir. Donc va t'asseoir là-bas. Continue de parler, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer qui je suis, garçon. Tu fermes ta bouche et tu restes tranquille, mon jeune dame. Vous venez gâter la vie des gens. Vous parlez, tu vas me rencontrer tout de suite. Moi, je vous moyen 1000, je vous gagne 1000 vies à zéro. Come on! La puissance de Dieu te touche. Où est l'enfant? Il est au bout. Il est au bout. Il est au bout. Il est au bout.
Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Colonne. Amène la délivrance. Celui qui a la base, la mort de tous tes enfants. C'est un grand sorcier. Viens régler le problème. Viens le faire tomber. Hein? Viens le terrasser. Tu veux qu'on verse ta bouteille, frère? Ouvrez la bouteille. Ça va maintenant, ton fils? Oui. Ça va? Tu parlais pas avant, maintenant ça va? Vous n'avez pas rendu témoignage? Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si déjà s'est trouvé avant. Maintenant, ça va? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avant? Non. Je ne peux pas marcher. Vous ne pouvez pas marcher, c'est ça? Non, voilà. Les tumeurs sont en train d'apparaître. Une tumeur là. Tu ne pouvais pas marcher avant. Hein? Les douleurs, les reins, tu sens plus ça. Tu t'es paralysé. Maintenant, tu sens plus. Fais comme ça, tu dis. Ah, très bien. Fais l'autre encore. Ok. Maintenant, ça va. Tu parles très bien. Demain matin, ça serait la grande séance de délivrance. Ouais. Dieu va vous guérir. Dieu est content, il est obligé de te guérir. Il va vous faire pour le faire. Dans le contraint, Dieu vous délivrer. Toi, tu veux t'arrêter ici? Non. Tu veux quoi? Qui est venu à cela? Après, on va régler le problème. Je ne sais pas qui est venu. Sinon, ça c'est le cas très sérieux. J'arrive. La folie, ça fait combien de temps? Hein?
elle-même, ils sont la sorcière dans sa vie. Elle est sorcière. Elle est sorcière. Ils sont la sorcière dans sa vie. C'est à cause de la compétition qui a commencé à dire que tu as parlé. Oui, c'est la sorcière de lui. Ça fait combien de temps un palpon? Lève-toi. Lève-toi. Elle ne marche pas. Arrête, mais elle est faite. Dès ce soir, donne-lui à moi. Dès que j'ai fini, donne-lui à moi. Commencez par la bouillie. Ce sont les chiens qu'on fait ça. Oui. Les chiens qu'on fait ça. Oui. Je veux parler. Non, on va parler. Hein? Ah, parler. C'est terminé. Il s'est terminé. Elle va bien parler. Quand tu as dit paix, elle dit c'est bon, je vais parler. Là, c'est là de nous. C'est Dieu qui l'a frappé. C'est Dieu. Demain. Je n'arrive pas à porter. Mais les brogues ici. Je suis garçon, t'es pas. Dans la vie, le Saint-Esprit connaît. Je trouve la présence. La maladie dans son corps. La présence. La maladie dans son corps. Au nom de Jésus. Je m'en dis. Je m'en dis. Ça t'a quitté long, c'est ça? Je vois ta chance dans escargot. Ils ont pris ça pour mettre dans escargot. Dans le profil d'escargot. Ils ont jeté ça dans les orbites. Sinon toi-même, tu es né pour réussir l'argent. Mais tu vas réussir dans les bâtiments, construire maison. Dieu t'a donné ça. Je suis à temps pour demain matin, d'accord? Quand tu reviens. Sa présence te libère. Sa puissance.
Tout le monde va se dire. Tout le monde va se dire. Où sont les sorciers là? Asseyez-vous. Les sorciers sont où? Les mangeurs d'âmes. Venez ici là. Appelez ton groupe là. Eh, venez. Israël, dépêchez-vous. C'est ta tante qui t'a donné. Vous avez vu là? Vous voyez belle femme. Vous voyez les femmes, vos yeux brillent. Ça tombe ici une sorcière, va te manger un garba. C'est toi qui es venu, qui es déplacé, tu es venu toi-même, tu es délivré. Tu es marié. Hein? C'est ce que ça veut dire. Donc tu réponds ma question, c'est lui. Oui, la question, tu n'as pas compris. Tu vis avec quelqu'un. Mais pourquoi tu l'as laissé? On dit que tu as laissé là-bas, puis tu es venu te faire délivrer. Qui t'a dit ils sont délivrés, les gens? Oui, tu as dit que ce que tu as comme problème là, nous on peut régler ça. Tu as quoi? Laisse tranquille. Vous me connaissez, j'ai revu sur les questions. Hein? Moi j'ai fini à revenir sur question. On me donne de manger. On n'est plus à ce stade, on me donne de manger. Toi-même tu vas prendre manger pour manger. C'est plus aussi, on te sert. Toi, on envoie et puis on mange. Hein? Ils envoient et puis on mange. Toi, t'envoies pour toi aussi. Comment tu es devenu sorcier? Un reste comme ça, je suis devenu. Comment tu es devenu sorcier? Comment toi-même? Tu t'es déplacé d'Abidjan. Hein? Pour venir ici, c'est ça? Parce que tu as quoi? Parce que je suis sorcier. Comment tu es sorcier? Et moi, demain, il est bien parlé. Comme tu as honte, tu ne veux pas parler là. C'est pas la honte, c'est ce que je veux. Hey, mais moi, je vois clair. Tu veux te faire délivrer. Ici, on parle. Hein? On parle ici, hein. On parle. T'as marché, tu n'as pas dit à ton mari qui tu venais ici? Non, tu n'as pas dit. Ah non, je connais beaucoup de sorciers. Vous mentez trop. Ils l'ont appelé, il a dit que non, tu ne savais pas que tu étais ici. N'est-ce pas? Il est parti au travail. Parce que c'est Jésus qui m'a appelé. Parce que je me suis réveillé le matin. Et puis Jésus dit de venir. Je me suis réveillé le matin, il est parti au travail. Donc il a ramassé mes bagages à mes soeurs. Je l'ai appelé au travail. Je lui ai dit que je m'en vais à Dibo dans un temps de prière. Tu fais délivrer. Tu es fatigué. Bon, tu sais ce qu'il a dit. Non, mais tu es fatigué. Où est-ce? C'est ça. Je l'ai appelé pour dire. Tu es fatigué. Je viens d'entendre. Écoute-moi, tu es fatigué de la sorcellerie. Je suis fatigué parce que je cherchais quelqu'un un coin pour te délivrer. Pour me délivrer. Comme ça. Toi, viens ici. Tu es sorcier ou pas? Hein? Tu es sorcier. Tu as programmé ton papa pour le tuer. Pourquoi? On t'a fait quoi? Qui a demandé? Je suis en train de prendre, il fait nuit. Hein? Qui a demandé? Tu veux pas parler? Où es-tu force? Hein? On veut te délivrer. Qui a demandé? Je suis sorcière parce que j'ai une excuse, mais pas dit. Eh, j'ai compris ça. T'as compris? C'est lui qui dit, j'ai compris. On est sur le sujet. Qui a dit? Tu as dit, on dit de donner ton papa. Qui a dit de donner? Qui va délivrer la sorcellerie? Celle-là, il faut attraper. Akeke à Bogama. Ils vont te manger. Vite. Celle-là, si tu es tombé là,
À Kiki à Bogama, c'est dans la main gauche. Moi qui vous mangez à Bogama. Toi qui es sorcier, oui. Tu manges quelle partie de l'homme? Hein? Toi tu manges bonne chose, hein? Tête et puis cœur. Et toi? Hein? Vous voulez laisser la sorcellerie? Hein? Vous voulez laisser? Oui. Ok, Martin. Martin va s'occuper de ça. Mettez la main sur votre tête, je vais prier. Attaquez vos sorciers. Hé, arrête, mettez-moi ta main sur votre tête. Je vais régler tout ce problème-là. Viens ici, Serge. Nia. On a le goût aïe. Tu as compris? Eh non. Tu vas laisser. Et le goût aïe t'as dit. Ah, dit oui. De t'enlever ça. On s'en mon goût. Vous posez quoi? On s'en aime. Ah, dit oui. Mettez la main sur toi. Demain matin, on va régler ça. Seigneur, nous voulons te prier. Et nous te demandons de te manifester puissamment et pleinement dans ces vies. Seigneur, amène-nous à expérimenter, n'est-ce pas, ta grâce et la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous ceux qui sont ligués contre nous, le royaume de la sorcellerie, Seigneur, soit jamais confondu dans le nom de Jésus. Je prie que la puissance de Jésus-Christ vous délivre. Et que sa puissance vous libère. Au nom de Jésus que j'ai prié, on dit amen. Amen. Voilà, donc demain matin, on va poursuivre. Depuis la journée, il faut qu'on rentre dans la maison. Amen. Voilà, donc demain matin, il y aura une série de prières matinales. Qu'on va commencer, je serai là vers 4-5 heures du matin. Nous allons démarrer une série de prières. Cette nuit, demandez à l'ange de Dieu de vous visiter. Demandez au Seigneur de vous visiter. Vous ne devez pas répartir avec vos fardeaux, ce n'est pas possible. Voilà, vous devez demander au Seigneur que cette nuit, que son ange vous visite et que le mal dont vous souffrez, là, que Jésus vous délivre de ça. C'est à cause de Jésus est monté à la croix. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. J'étais moi-même malade. Et Jésus m'a délivré. Moi, je crois à la guérison, je crois à la délivrance. Alléluia. Amen. 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 Jésus peut encore vous délivrer. Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Comme je suis fatigué, je vais rentrer me reposer. Puis demain, il va attaquer la sorcellerie. On va vous délivrer. Que Dieu vous garde. Amen.